Allô? Qu'est-ce que tu nous fais, le beau François? Hey, bien, si on fait beaucoup de plats, mais il faut les accompagner avec quelque chose. C'est l'été, on aime les frites. J'aime pas travailler avec une friteuse, surtout pas avec un poêle à gaz ici. Fait qu'on a l'actifry de Tefal. Donc, c'est vraiment simple. Moi, ça s'ouvre. Donc, je vais vous le montrer. Là. Donc, on va mettre les frites là-dedans. On met juste une cuillère d'huile, mais pour avoir des bonnes frites, OK, ça va prendre à peu près 45 minutes. Il faut le planifier d'avance. Pour avoir des bonnes frites, il faut les faire bouillir au moins 5 minutes. Je pense que le vrai terme, on appelle ça des frines. Non. Fait que là, on va les faire bouillir, l'eau à bout. Okay. Donc, on va les faire bouillir pendant 5 minutes. Et après, ce qu'on va faire, on va utiliser les épices grecques qu'on a. Des savoureux. Oui, on va mettre un petit peu d'huile, on va mettre ça là-dedans. Et on va le laisser pendant 45 minutes. On va une frite croustillante, parfaite, toute bien dorée. Puis on peut faire manger ça avec une mayonnaise ou avec rien. Hein, du porc, du poulet, toutes les autres belles recettes qui sont sur le site. Exactement. Puis l'épice grecque va nous rappeler le souvlaki. Oui. Genre. Les restos grecs apportent votre pain. Exactement. Fait que là, on va le laisser bouillir à peu près pendant 5 minutes. Ça, tu m'expliquais que ça enlève l'amidon. Exactement, oui. Puis ça pré-cuit la frite, donc elle cuit moins longtemps après. On va l'essorer comme il faut après. Ouais. Fait que... Fantastique! Ça fait 5 minutes. Oui. Fait qu'on va les retirer du four. Et on va les égoutter bien comme il faut. Mm-hmm. Donc on va les mettre en passoire. Et tu peux-tu mettre du scotch tambour ici? Oui. Comme ça, on va les essorer bien comme il faut. Parce que l'eau n'aime pas l'huile. Mm-hmm. De mots en d'eau, s'il te plaît. Ouais. Donc, on voit qu'ils commencent à être cuits déjà. Des pétates! Des pétates! Des pétacs de la ferme Vianney et Marguerite Turcot. Ah, mais oui. Qui sont sur la 321. Et là, je vais les mettre dans le... Dans le bidule, on va rajouter de l'eau, de l'huile, une cuillère à soupe. Quelle huile tu prends? D'huile d'olive? L'huile d'olive, oui. Okay. À peu près une cuillère à soupe, okay. Pas plus que ça. On va rajouter les épices grecques. Hein? Comme ça? Mais encore, tu peux. Oui, même ça. Bon. Et c'est parfait, ça sent déjà très bon. Ça va se mélanger ensemble parce que ça tourne quand oui. ça cuit. Hein? Et là, on va le partir, je dirais de le regarder à peu près, dans, si vous en avez un comme ça, à peu près 30 à 45 minutes. La partie de 30 minutes, on va regarder ce qu'ils ont de l'air. Et quand on va les sortir, c'est important de mettre du sel rapidement. Donc voilà, on va les partir et on va se revoir après la pause. Ça sent bon, ça sent le grec. Ça sent le grec, ça fait 30 minutes. On avait mis moins, là. Fait que on a vérifié. Et on peut voir qu'elles sont prêtes. Hein? Elles sont belles. Là, ça sent le grec ici. Ici, on a du sel infernal, des épices cannelle. Ok, t'as pas encore ouvert, d'ailleurs. Oh, ok, c'est une assez, ça. C'est assez? Oui, c'est, okay. C'est inferno. Et là, hein? C'est le même qui font ça, hein? Je suis pas encore bon. Je suis bon pour revirer les crêpes, là, mais... Oh, je l'ai! Tu vois? Bon, on a compris le principe? Oui, okay. C'est bon. T'as-tu une belle petite présentation? C'est chaud un peu, hein? On va peut-être attendre. Fait qu'on va faire une présentation pour notre photo. Ouais. Puis on va goûter, mais peut-être quand ça va être un peu moins. Ouais, moins on va attendre un peu. Tu rajoutes un peu de maillot, mettons. On pourrait faire une belle maillot épicée avec ça. Mais. On peut faire une maillot épicée. Ou encore plus simple. Ah ah! Une maillot Fireburns. C'est tellement bon. Ils sont parfaits. Tiens. Ah, c'est ça qui fait du bruit. Ok, voilà.
Fantastique. Félicitations, François. Et voilà, hein, comment c'est simple. Pour ça. Un bel accompagnement. Regardez ça. Les frites faciles à faire et qui sont croustillantes. Oui. C'est tout. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, c'est la fois cette année où on mangeait des frites, c'était là. C'était là, oui. Faut culpabiliser, là, quand même, c'est bon, les patates. Ben oui, ben c'est bon. Hey, ben merci, Marilyn. Merci. Une autre belle recette facile à faire, qui prend pas de temps, qui est toujours bon, réussi. Je pense qu'on appelle ça des frines, mais vous allez nous le dire. Oubliez pas de vous abonner, des frines. J'ai vu ça en faisant des recherches. Ah bon? Oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites un like, un commentaire, toutes les affaires là, qu'il faut faire là, pour que YouTube nous pogne. Faites sonner la cloche, comme diraient les YouTubeurs. Oui, c'est ça qu'ils disent? Je pense que oui. Ta-ding! Merci! Bye!